Hey hey hey, kéké mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady, épisode 91. On s'approche tout doucement, mais sûrement, du centième épisode, et également aussi de la fin, hein, faut pas se cacher. Puisque nous sommes à l'aube de la génération senior, et la génération senior étant la dernière. On va élever cette chère Anna, il est 6h du mat, elle va aller faire le petit-déj. Alors, c'est un jour... Ah non, c'est la bagarre de quartier. Tu vas préparer le... Alors, préparer ce petit déjeuner, une petite brouillade, voilà. Dépêche-toi parce qu'ils vont être au taquet. Voilà, on a déjà les filles qui sont réveillées. Alors, voilà, ouais, il y a des petits changements dans les chambres des filles. Je leur ai mis des lits doubles. Voilà, pour que bah, ce soit un peu plus logique. Elles sont quand même grandes maintenant et je me dis que ça peut le faire. Oh, bah allez, tu vas jouer un concerto et puis toi aussi, quoi, le matin. Oh, bah, elle y va toute seule! C'est merveilleux. Le temps que le petit déj soit servi. Un petit peu de musique. Ah non. Ah bah non, finalement. Elle a touché une fois les cordes, elle s'est dit... Oh bah ouais bah non en fait. Allez vas-y, dépêche-toi. Non mais... Alors, double concerto. Ce n'est pas le même concerto, hein. Donc les oreilles doivent souffrir là à l'heure actuelle. Hein. On va pas se le cacher. Mais on a notre chère Brandy. C'est vrai qu'elle est venue vieille elle maintenant. Elle est en train de kiffer quand même, hein. Oh bah oui, c'est une chanteuse, hein. Voilà. Très bien. Yo, le petit déj est servi. Les filles, vous pouvez arrêter votre violon. Le maître de maison s'est servi, vous pouvez venir. Oh, un petit déj en famille, tout ce que j'aime. Bon, il manque Sigisson parce qu'il est en train de prendre son bain. Il pue sévère, là. Allez, vas-y, viens. Tu vas sentir un peu moins et puis ça va te permettre de discuter avec ta petite famille quand même. Ce serait dommage. Voilà, ils sont tous beaux. Mes petits blonds et mes petits roux. Oh, et je suis sûre que ça va continuer. Enfin non, j'en sais pas sûr. Je sais pas encore qui vous avez choisi. Pour Mildred ou pour Philly. Suspense. Ah, Brandy a besoin d'aller faire une petite promenade. Donc bah tu vas le faire. Promener, durée moyenne. C'est parti. Alors, oui, je laisse Mildred faire la vaisselle parce que ça augmente son responsabilité qui était très en berne. Et donc, je fais ce que je peux, quoi. Parce que là, elle va devenir jeune adulte hein, et la responsabilité, elle est loin d'avoir gagné. Oh mon Dieu, mais ça va être terrible. Willem, il va devenir vieux aussi. Oh, je suis pas prête, là. I am not ready for this. Pour notre belle guenièce, ça a sonné aussi l'heure du mariage, hein. On est samedi, je pense que c'est... Le bon moment aussi. Qu'on va lui dire au revoir. On la reverra évidemment. Beaucoup moins. Mais on la reverra. Mais du coup maintenant qu'elle a du public, elle va continuer à jouer. Bon, bah ça va être le moment parfait pour vous parler du coup des futurs fiancés de nos amis. Entre Mildred et Philibert, qui vous avez choisi? Pour Mildred, vous avez choisi Gauvin le Roux à 62%. Waouh, génial! On va repartir sur du blond et roux. Bah, je m'en doutais que vous auriez choisi plus le roux pour changer un petit peu. Et puis, bah bon, j'avoue que moi, les blonds et les roux, c'est mes prefs, quoi. Et quant à notre ami Philibert, eh bien, ce sera Isabella. Ah, ce sera Isabella, la châtain, qui sera bah, sa fiancée, sa future femme, à 73% des voix. Lucie Saint-Paul n'aura pas fait le poids face à Isabella. Je pense que c'est vous en avez juste marre des blonds et des roux, quoi. Mais bon, c'est cool. Je suis très contente quand même parce qu'elle est très mignonne. Super. Eh ben écoutez, on va mettre ça en place. Isabella est là. Eh ben tu vas y aller, mon petit. Tu vas aller regarder des nuages avec cette jolie demoiselle, mon petit Sigismond. Bon, elle est vénère. Elle va niquer des mères là, je pense. Oh, Mathieu est là également. Salut Mathieu. Alors, attention, fais pas de conneries, toi. Fais pas ton Laurent, hein, voilà. On va pouvoir prévoir un événement de mariage, hein. Oui, 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 oui. Donc là, on va juste raviver légèrement la flamme. On va s'assurer qu'elle est toujours amoureuse de nous, n'est-ce pas, Guenièvre? Et puis, go se marier. Oh là, Brandy est rentrée complètement cracra. Eh ben, ce sera à Anna de faire le bain, bon. Là, du coup, elle dort. Oh là là. Philibert amorce une petite avancée envers cette belle Isabella. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez marché, mademoiselle? Pendant que papa observe ça, alors mon fils va-t-il emballer correctement cette jeune dame? Bah écoutez, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant.
Tout va. Et ça, c'est bien. Ah, je crois que notre ami Sigismond a voulu tenter également une approche, mais ça n'a pas marché. Tu vas quand même pousser la connaissance, hein, parce que bon, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Et tu la dragueras plus tard. C'est pas comme si on était gonflé. On était pressé par les événements. Ah, ils vont nous faire des beaux bébés blonds, ces deux-là. Vous avez pas idée. Hein. Bon, bah en fait, comme il est déjà 18h45, ce sera pas aujourd'hui le mariage, hein. Parce que là, ouais, voilà. Bon, moi, on fait connaissance, tout ça. Il y a du monde qui vient, c'est agréable. On fera peut-être le mariage et les anniversaires aussi en même temps. Par contre, Mildred, son copain... bon, je lui laisse faire des tâches de ménage, hein, vous avez compris pourquoi. Pour sa responsabilité. Son chéri, futur chéri Gauvin, n'était pas dispo. Donc, bon, tant pis que ça. Ce n'est que partie remise. De toute façon, il sera obligé de passer sa vie avec elle. Voilà, comme ça, c'est acté. Regardez-le, là. Qui dragouille un peu, tout ça. Oh là là, Isabella. Heureusement que dans ton prénom, il y a Bella. Sinon, ce serait une insulte. Ah ouais. Et toi, occupe-toi de tes fesses, Millie, en fait. Je sais pas. Appelle à table. Comme ça, vous allez manger tous ensemble aussi. Ça va être sympathique. Oh là là, qui c'est qui est mort? Colombe. Oh my god, Colombe. Colombe est partie rejoindre son grand frère, son petit frère Percy, Perceval. Oh là là, bah, je sais pas, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et ça ressonne! Blanche! Oh purée. Oh, eh ben si j'avais fait le mariage aujourd'hui, elles auraient été là au mariage, quoi. Maintenant, on a perdu les jumelles. Elles sont parties en même temps qu'elles sont arrivées, quoi. Ensemble, main dans la main. Le même jour. L'angoisse. Je crois qu'Isabella, elles se sont déjà bien chez elles, ici, hein. Ah, elle s'en va? Ah, oui, bah alors laisse-la partir, en fait. Je pense qu'il vaut mieux. Parce que il se fait tard, quoi. Tu vas pas aller la retenir trop longtemps. En tout cas, voilà, hein. C'est bien parti pour Sigismond et elle. Enfin, Philibert, pardon, et elle. Ça va, les jeunes? Ah bah oui, ça joue, ça brode. Ouais, par contre, Mildred, c'est son anniversaire demain. Hein. Voilà, et je pense que... Bah oui, Wilhelm aussi. Oh là 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 là. Sympa tes petites toiles, mon petit Wilhelm. Combien? 916. Ça va. Et celle-là? 745. Oh, il fait un câlin à sa chienne, mais c'est trop mimes. Oh non, des orages. Ça va être l'enfer pour le mariage. Oh non, l'orage m'a cramé. Mais j'avais mis un truc de déco ici. Bah je sais même plus ce que c'était, mais il me l'a carrément cramé, quoi. Génial. Qui c'est qui vient là sonner chez nous? Eric Saint-Paul. Ah bah Eric Saint-Paul, encore un Saint-Paul. Oh bah ouais, bah il était pas trop mal. Je reconnais les yeux, la forme des yeux en tout cas. De notre Pierre Nard National. Désolé, mon cher, mais les cœurs de nos petits Sims de cette maison sont déjà pris. Ah, le gâteau est prêt pour l'anniversaire. Tu peux mettre... Ah. C'est où, c'est là, le milieu? Non. Non! Il est sérieux! Mais si j'y smonge, je vais t'éclater la tronche! T'avais une tarte là, espèce de... Ah! C'est pas vrai, on est obligé de recommencer le gâteau que j'avais déjà dû recommencer parce qu'elle avait zappé. J'en ai marre de ces Sims. Ils me rendent taré, encore plus taré que je ne le suis. Ah oh bah, ça faisait longtemps. Wilhelm s'est mis à chanter. Où sont les petits oiseaux? Non, les oiseaux, ils venaient que quand ils chantaient méga mal. Hein. Ouais, c'est pas qu'ils chantent non plus, voilà. Une petite toile calcique à 75. Toi, je te vois, tu n'esponges pas. C'est pas ton boulot. Tu viens t'asseoir là comme une jolie... Attends, je crois que ton mec, il est passé là. Il est là? Je crois. Je sais pas où il est. Mais normalement, je crois qu'il voulait venir. Bon, si justement, c'est pas une raison pour pleurer. Hein. Je t'ai engueulé. Bah oui, mais t'es fait le con. C'est normal que je t'engueule. Oh là là, susceptible. Ah, oh, merci, Filou. Grâce à toi, on aura quand même du gâteau. Voilà, je vais mettre la tarte ici. Voilà, il y aura de quoi faire. On va inviter les gens maintenant. Ouais, asperge bien le gâteau, t'as raison, pour qu'on les empoisonne. Et voilà, c'est l'heure du mariage. Tu fais quoi là, toi? Et puis, alors, sûrement pas, ma cocotte. Tu vas être là pour faire la cuisine. Il y a encore des restes des pseudo-repas de la dernière fois.
J'ai emmené Anna pour qu'elle puisse faire à manger. Je vais ramener aussi les trucs d'anniversaire parce qu'on va faire l'anniversaire en même temps. Au début, je voulais faire un anniversaire avant. Je me suis dit, maintenant, il y a le mariage à fêter. Donc, on va faire ça. Et puis, tout le monde va aller à l'église hein, et tout. Puis, ils vont faire les beaux. Voilà. Mais Althea, je te reconnais même pas tellement, t'es magnifique. Enfin, c'est pas que t'es moche d'habitude, mais là, t'es particulièrement en beauté. Oh, regardez les amoureux, comme ils sont mignons. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quoi, tu t'énerves? Tu fais quoi? Mais, hé, sérieux, arrête la malice, toi, Mildred. Ça va pas du tout, cette histoire, hein. Ah, tu vas me saouler, là, hein. Fais gaffe à ce que tu fais. Oh, non! Oh, non! Oh, non, c'est l'anniversaire! Ah! Zut, elle a grandi avant qu'on le fête. Oh là là, Millie devient donc une jeune adulte. Elle est pitre, elle est extravertie et elle sera aussi 1, 2, 3, bien élevée. Ah bah écoute, je veux bien. Je veux bien que tu sois bien élevée. La voilà arrivée dans l'âge adulte, c'est merveilleux. Ok, on a un problème, le marié s'est fait la malle, je répète. Le marié s'est fait la malle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se noyer? Ah non, il va aller pêcher. Bah, t'as déjà ferré un bon poisson là? Mais qu'est-ce qui se passe? On va retrouver ta belle, voyons. C'est pas grave, tu sais, il va t'arriver que du bonheur, hein. C'est ça le mariage, hein. Bon, ce sera pas aussi bien réussi que leur propre mariage, Mildred et Wilhelm. Mais voilà, la petite toile souvenir pour le mariage de Guenièvre. C'est Wilhelm qui va le faire. Après avoir roulé une grosse pélosse. Hein? Et ben, ils vont peut-être passer au mariage d'ailleurs. Allez, c'est le moment. Tu vas te marier avec Mathieu. Ah, Lucie est arrivée. Salut Lucie, comment tu vas? Tu vas la calmer un petit peu et tu vas t'asseoir avec elle. Voilà. Allez, it's time to marry. On oublie les soucis et on se marie. Magnifique. Voilà, j'aime toujours ces moments. Hein. En plus, hein, je me suis bien amusée à faire ce fond qui est très très joli. En tout cas, moi je le trouve. Mais pourquoi ça fait ça? Oh merde, Wilhelm a vieilli en plein milieu du mariage. C'est pas très très cool ça, Wilhelm. Tu penses qu'à ta tronche. Allez, on y retourne. Décidément, j'aurais raté les deux anniversaires. Hein. Pas de bol. Hein. Ah oui! Oh oui! Oh bravo les mariés! Bravo! Bravo les mariés! Oui! Ils sont beaux! Et bien sûr, si on met pause et qu'on fait ça, on se rend compte qu'il y avait trois pélos qui regardaient et Mildred fait clairement la tronche. Bah oui, Bichette, hein, elle, elle est pas prête de se marier. Elle fait, bah oui, mais bon, il n'y en a toujours que pour les plus grands et tout. Et puis moi, on m'oublie, moi, je ne compte pas. Et bah si, toi, t'es en finale, cocotte, tu crois quoi? La finale pour la génération senior. C'est déjà bien, non? C'est mieux qu'un mariage, hein, bon. Bon, bah voilà, hein. Sachant qu'il y a quasiment aucun de nos invités qui est venu, donc c'est très agréable. Tu vas couper la pièce montée, ma petite Guenièvre, pour valider un peu ce magnifique mariage. Ah, et puis il faut remercier les invités. Ouais, bah tu parles, il y a quasiment personne qui est venu, donc forcément on va pas aller loin. Hein. Ah, c'est la fête! Bon, au moins il y a la famille qui est là, quoi. Oh, vas-y, les confettos dans la gueule, j'adore ça! J'adore ça! Bah bravo! Tu peux remercier qui? Remercier ton père d'être là, remercier ta mère, évidemment. Sans eux, bah tu ne serais pas là. Et puis voilà. Hein? Guenièvre, je t'invite à remercier les gens. Oh là là, oh là là, oh là là. Tiens, tu peux boire un verre, s'il te plaît. Je sais pas moi. Commander une boisson, sa boisson. Va commander ta boisson préférée, ma petite Althea. Je sais que t'es triste. Bah oui, elle a perdu ses sœurs. Mais bon, faut ce qu'il faut aussi, hein. Voilà. De la mûre, de la mûre, de la mûre. Et puis un verre de plus à consommer. Et ben lui, il consomme aussi, dit alcoolique, va. Oui, j'ai engagé un musicien pour jouer de l'orgue, mais alors les trois notes qu'elle me fait sont quand même assez horribles, hein, quand elle en fait. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on l'a payé un peu pour rien, quoi. Regardez notre vieux Wilhelm, tout grabougri qu'il est.
Il a la petite faim. Après, il a pas fini encore la toile. Hein. Donc, il va falloir qu'il aille la finir. Ah oui, effectivement. Faudra que tu la reprennes après. Bon, on voit ses cheveux, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais, Mildred? T'es mis dans les fougères, là? Tu regardes le ciel? Ah ouais, t'es beaucoup dans les fougères, j'ai envie de dire, même. Hein. Ah, ma belle. Ouais, elle a envie de s'échapper. Ah, tu me diras, la lune est magnifique. Hein. Mais bon, tu vas rejoindre la fête, quand même. Enfin, la fête. De fête que de nom. La toile de Wilhelm est terminée, tu vas pouvoir la mettre dans l'inventaire et l'offrir à ta fille. Tiens, voilà ta toile, mais je suis sûre que... Il va lui offrir... T'es 1300, hein? Non, il lui en a offert une autre. Super. On peut même pas choisir la toile qu'on lui donne. C'est trop nul. Jeune mariée, félicitations pour votre nouveau mariage. Souhaitez-vous emménager ensemble maintenant? Eh ben, j'ai envie de dire, il va falloir y passer. Au revoir, Guenièvre. Passe une belle vie. Oh, les Sergi, ils ont de la thune. En même temps, c'est des seigneurs. Hein, c'est normal. Passe une belle vie avec ton nouveau mari, qui a l'air d'avoir une sœur plutôt mimes, hein, et un autre frère aussi plutôt sympa. Bah, tant pis. Voilà, c'est fait maintenant. Allez, salut, hein. À la prochaine. Allez, ma fille. Maintenant, je te laisse voler de tes propres ailes. Et n'hésite pas à revenir à la maison pour nous donner des nouvelles. Allez, salut Guenièvre. Bonne route. Oula. Eh oui. Bah dis donc, les fantômes ont plus de talent que les musiciens. Hein. Parce que là, c'est un terrain hanté, donc les fantômes est en train de hanter l'orgue. Et ben, il a plus de talent que les musiciens qu'on engage de vivant. C'est cool. Ah ouais, on devrait faire nos mariages de nuit. Hein. Je pense que ça collerait vachement mieux. Bon bah sur ces notes joyeuses, on va se rentrer à la maison également. Hein. Allez, ciao tout le monde. Et on y voilà rentrée à la maison. Et tu pues, ma petite Althea. Mais ça va pas du tout, tu vas aller prendre un bain. Anna, tu vas... Oui, bah tu vas remplir la gamelle de notre petite chienne. Et puis tu iras te coucher si tu veux. Et notre vieux Wilhelm, bon bah écoute... il ira se coucher aussi, hein. Parce qu'il est vieux. Oh, j'ai oublié de vendre l'étoile, on était dimanche. Parce que là, il est lundi 3h du mat. Ouïouïouï. Bah déjà, je vais rajouter ces deux toiles-là. 213 et 171... Je vais enlever la toile que l'on donnera pour de bon à notre petite Guenièvre, hein, sa toile de mariage. Et puis, on va vendre. Voilà. Nous sommes donc à 18 701 Simflouz. Nous allons vendre des toiles moyennes à 7 940. Deux petites toiles impressionnistes à 272. Et quatre toiles grandes classiques à 4124. Et on est monté à 31 037 Simflouz. Bon, ben je vais calculer la part du seigneur. Alors, ça fait que l'on a gagné aujourd'hui avec l'étoile la modique somme de 12 336 Simflouz. Auquel cas, la part du seigneur s'élève à 1850. Ça fait que il nous reste dans notre petit portefeuille la petite somme de 29 137 Simflouz. Ça va. Ah, j'ai... Ah, il y a 50 Simflouz qui ont dû se barrer entre-temps, je sais pas où. D'ailleurs, il faut qu'on paye le Talcos aussi, hein, l'aller-retour jusqu'à Widenburg, qui vaut 50 Simflouz également. Allez, ma petite Althea, il est temps pour toi d'aller te coucher. Demain est une autre journée. Demain et surtout la semaine prochaine, les enfants. J'espère que vous serez prêts, puisque ce sera les votes de la finale. Je me dis qu'aujourd'hui, on a fait l'anniversaire. Oui, les anniversaires et le mariage. La semaine prochaine, ce sera quand même un peu plus décisionnel. C'est l'avenir du challenge qui est en jeu. Mildred contre Philibert. Blonde contre roux. C'est vous qui choisirez qui continuera l'aventure. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir été avec moi encore une fois pour cet épisode. Et puis, on se retrouve très bientôt pour cette vidéo ou pour d'autres. Allez! Ciao, ciao.